Eh oui, 19h, bienvenue dans ce nouveau numéro de The Big Gamoski spécial animalier. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi, puisque on va partir à la recherche de choses qui changent un petit peu des jeux vidéo, des shmups, et on va se consacrer à cette noble passion dont on ne parle pas assez et dont on n'a pas assez de stream sur YouTube, qu'est la pêche. Donc, je vous amène par cette belle nuit de pleine lune, vers ce lac tout à fait magnifique et recommandable, pour voir quelles créatures nous allons rencontrer. Et apparemment, d'après le flyer touristique de l'office de tourisme du coin, bah, il se trouve qu'on devrait être pas mal garni, puisque regardez, il y a énormément, énormément de créatures. Comment ça, c'est un shmup? Bah, oui, j'allais pas vous faire un Sega Bass Fishing, les gars, faut pas déconner non plus. Donc, il est venu le grand moment de se faire ce Darius Gaiden que tout le monde surcote. Alors oui, le jeu est précédé par sa réputation, moi je suis intimidé, parce que je me dis, s'il a une grosse réputation, c'est qu'il doit être bien, s'il a une grosse réputation, c'est qu'il doit être difficile. Et du coup, bah oui, j'ai cette damnée appréhension en arrière-plan, parce que je me dis que, bah, scroller horizontal, déjà pas trop trop mon domaine, mais en plus, truc méchant, il y a moyen que je pleure un petit peu de sang. Donc Darius Gaiden date de 93 ou 94, il me semble. Et puis on va plonger directos ensemble, là tout de suite, sans autre préambule. Du calme, les animaux derrière. On joue, nous. Chut, silence, concentration. T'as vu cette autorité? C'est ça, j'ai appris avec Cartman. Petit fail de démarrage. L'auras-tu, l'auras-tu pas? Je ne l'aurai pas. Et ça, c'est la grande classe. Ah oui, non, mais j'ai pas osé parler pendant l'intro, vous avez vu ça, Darius Gaiden, on vous balance des poissons dans l'espace et des poissons qu'ont les balls, donc forcément vous faites pas le malin. Le principe de jeu, ben, il est pas révolutionnaire, hein. On a des bonus qu'on peut récupérer pour augmenter la puissance de son armement, tout simplement. On a de la super bombasse, parce que ça peut servir également. Et puis, on a surtout son skill pour arriver à s'en sortir. Les passages des astéroïdes, tout ce que j'adore. Miam, miam, bon, on va dire que je vais gérer ça pour vous faire voir au moins 3 niveaux. On y croit? Vous êtes avec moi? Let's go. Oui, ça fait un peu beaucoup de crédit, mais voilà. Alors, c'est magnifique, hein. Le concept de Darius, je le répète pour les gens qui seraient descendus du bus, là, à l'instant, c'est surtout son design qui a vraiment marqué beaucoup de monde. Puisque fallait oser faire un truc basé sur des formes aquatiques. C'est assez marrant. Oui, c'est ma super bombasse en action dès le démarrage. Je ne prends pas de risque. Hein. Je sais que ce jeu me veut du mal. Donc je ne vais pas lui accorder de gentillesse à lui non plus. Et donc oui, on craquait beaucoup sur les Darius pour ce design qui est génial, quoi. Et vous pouvez pas dire le contraire. Donc pour l'instant, c'est très jouable. Alors l'autre particularité du Darius, c'est son vaisseau, qui est une espèce de repompe de l'Alcorak de Goldorak, si vous regardez bien. Et du coup, bah, il a une bonne bouille, le petit truc. Alors j'espère que vous avez les retours assez forts, puisque la bande son est pas mal. Hein. Je l'ai hélas pas assez fort, ça c'est moche.
Bon. Mon t-shirt. J'ai oublié mon t-shirt, je pense. Oui, le fameux qui dit pas par derrière. Alors, petit défaut que j'ai eu trouvé quand même, c'est que ça manque un chouille de mégabombe. Enfin, pas de mégabombe, de. J'arriverai à trouver tout à l'heure. Oui, bah, des fois je me concentre et j'oublie les mots, j'oublie les phrases, et ça y est, c'est fini, y a plus personne. Je t'ai vu arriver, toi. Que c'est magnifique. Que c'est beau. Que de pixel love. Oh oui, encore. Enfin, pas trop quand même non plus. Non, non. Voilà, je sens que tu vas être de mauvaise humeur, toi. Et là, il me repousse contre le bord de l'écran, cet abrutos. Oui, aïe, aïe. Oui, j'ai ma fierté, je ne le bomberai pas, pas tout de suite. À moins qu'il me balance un pattern super vicelard. Comme il m'attège. Monsieur, tu ne tèges pas les gens comme ça. Là, en bas, non, au milieu, non, en bas, non, milieu. Comment je t'ai vu, mais comment je te maîtrise? Ah! Ne m'aurait-on pas survendu ce jeu? Ceci dit, du calme, on est qu'au premier tableau, les gars. Hein. Donc, il y a moyen que le pépère révèle sa vraie nature dans pas très longtemps. Oula, la musique, c'est pas en couille ou c'est moi? Tu ferais pas un petit peu durer le plaisir, Maurice, là? Parce que c'est pas faute de... Ben voilà. Prêt pour les sushis. Adieu, mon ami. Ça, c'est du gros mode 7 qui défonce. Grande classe, on peut choisir le niveau suivant. Aérien ou terrestre? Ben, je voulais terrestre, mais bon, ce sera... D'accord. Tant pis pour moi. Ça s'excite derrière. J'entends pas la musique vraiment et j'ai des doutes. Donc je vous laisse apprécier sur le stream parce que vous avez l'audio que je n'ai pas et je le trouve un peu psychédélique. Oh, bah, putain. Effectivement, on commence à rentrer dans la partie de plaisir. Non, pas de vaisseau à la suite les gars. Bon, ok. Il y a une technique pour ça. Voilà. Et il se barre! Putain de lâche! Filez-moi des bonus, des bonus, des bonus. Je veux des bonus, je suis à poil. Je suis le désespoir incarné. Je suis le mal-aimé. Je suis triste. Ah. Non, 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 ça bombe là, les gars. Alors, cet effet toilette, on va l'appeler. Est absolument marrant. Bibi. Oui, quand je recommence à dire que des syllabes pour les mots, c'est qu'il y a un petit problème et je sens que je vais en baver. Sois cool, sois cool, sois cool. Non! Oui, ben. Pff. Je ne sentais pas le. Je ne voyais pas d'issue positive à notre aventure, là. Et c'était pas le boss. What the frag? Donne-moi ça! Fumier. Mais tu es tout petit, toi. Alors, elle est où la blague? Elle est où la blague? Qu'est-ce que c'est cette blague? Vas-y, il va me faire la fête, lui. Hey. Bah oui. Bah je cherche mes positionnements, mon ami. Hein. C'est la première fois qu'on se voit, enfin, dans cette version du jeu. On s'est déjà croisé dans les autres Darius. Parce que tu es magnifique, il faut le dire. D'ailleurs, ça me fait penser que je suis tombé sur une page de fans de Lego qui sont amusés à faire des poissons. Et très honnêtement, c'est exactement celui-là. Avec les pistons et tout, c'est magnifique. Ah oui, c'est plus malin de se positionner là-bas. Là, j'apprends. Eh oui, t'es bien, là, tu peux niquer un aileron. Hop. Ça va être long encore, hein. Ouais, je sens que ça va être long. Mais tu joues comme un super player.
Bon, je dirais pas ça à votre place, les gars, parce que vous allez voir que je vais être ridicule dès qu'on va repasser dans un niveau que je ne connais pas et où il faudra peut-être forcément se positionner à un endroit un petit peu moins stupide que improvisé. Alors les déplacements sont un petit poil vifs quand même, je trouve, hein. Merde, les déplacements du vaisseau. Genre pour se positionner, c'est... Vous entendez la manette? Je mets des tout petits coups, quoi, parce que c'est un peu tendu. Je crois que ça va bomber. Ça bombe. Ah oui, je vais récupérer mes putains de bonus là. Avant qu'il me fasse une cochonnerie, j'ai encore. Ah, il y en a encore un derrière, regardez. Une deuxième couche, vous voulez cracher? Hop, hop, purée. Qu'est-ce qu'il envoie, le crétin? Non! Non, 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 non. Ton aileron, ton aileron. J'ai l'impression que je suis en train de dépecer un saumon, quoi. Et pour l'instant, celui qui dépasse l'autre, apparemment, c'est pas celui qui croit le faire. Hein. Mais il est long à dégommer ce truc, c'est incroyable. J'avais complètement oublié qu'on se mangeait les décors. Mon erreur. Poussin, je suis désolé. J'ai besoin de récupérer ça. Voilà. Ne sois pas trop colère. Ne sois pas trop colère, ce sont des choses qui arrivent. Hop, 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 il n'a pas fini. Qu'est-ce qu'il fait? Faut pas faire des trucs comme ça, monsieur. Alors oui, forcément, des effets graphiques comme ça envoyait du steak. Non, on va prendre ça a l'air plus simple. Dis donc, faut choisir vite chez toi. Hein. 4 secondes, hop. Alors, comme dit le dicton, troisième niveau, c'est là qu'on voit la vraie nature du jeu. Oui, vrai, faux, légende. Nous allons savoir tout de suite après la coupure météo transdimensionnelle. Oui, c'est une nouvelle météo. Non, 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 You don't do this anymore. Never ever fuck off. Qui c'est qui a foutu le plafond à l'envers? Alors, la musique, je comprends pas trop, mais si ça fait rigoler des gens, c'est ce qui compte. Faudra que je revoie ce stream en fait, rien que pour la musique. Ou alors qu'au prochain boss, je m'autorise une pause pour. Non. Non, 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 ça ne passait pas. Je n'avais pas cette force ni cette volonté. Oh, comme ils sont énervés, eux. Non. You can't do this, mon ami. It's not possible. Alors ça, c'est tout simple, mais c'est tout pénible. Oh non! J'aurais dû remonter le son, je suis couillon. Ça va. Super. Bien. En toute tranquillité et décontraction. Se passer. On va le laisser, hein? On va l'allumer direct. Biu 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 biu. Qu'est-ce que tu me tires dessus, toi? Mais qu'est-ce que tu me tires dessus? T'as inventé ça? C'est pas possible, tu le sors d'où? Hop, hop, hop. Non, non, non. Celui-là, il était dégueulasse, ton pattern. Je ne veux plus le revoir. Plus jamais, jamais plus. Meurs, 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 meurs. Je m'en vais. Ouh, que tu es vénère. Ouh, que c'est traître, ça. Ouais, non, attends, va faire un tour. Non, 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 non! C'est le truc, tu le vois venir, mais tu sais pas où il faut te mettre. Tu fais. Ça va couvrir les trois quarts d'écran, mais je sais pas à quel endroit exact c'est le plus safe. Ça sent le truc bien énervé, ça. Auto-guidé, bien énervé. Exactement comme on n'aime pas. Parce que toi, quand t'es calé pour passer entre tes tirs, t'as pas vraiment envie de bouger, quoi. Et l'autre, il t'en envoie. Il t'en envoie, mais il t'en envoie pas. Serait-ce de la colère que je ressens en toi? Trop de colère, Elia. Oh oui, bien trop. Oh, pourquoi je me suis mis dessous? Oh, le festival de pattern, laisse tomber. Il était temps qu'il se prenne une bombe sur la gueule, quoi, parce que ça commençait à vraiment chercher, là. Aïe, aïe, aïe. Je redoute totalement le prochain tableau. Je te cancel. Par la toute puissance d'une présentatrice météo. Non, 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 non.
Diable, 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 ce jeu est perversion, ce jeu est... Pain in the ass, comme on dit en langage technique, je me pesque. Alors je me permets de me monter le son. Parce que du coup, en haut je le sens pas. Mais on va y aller justement. Alors, je dois admettre quand même que le jeu est moins dur que ce qu'on m'avait vendu. Alors, je suis en crédit limité, ok, ça va. C'est vrai que avant de le One CC, je pense qu'il va y avoir un peu de travail. Le jeu est magnifique. Le jeu est super jouable. Le jeu est vraiment perv. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ce jeu est même plus que perv. Il me téléporte dans l'empire du LSD. Ok, d'accord. Tout va bien se passer. C'est un truc, faut pas. Surtout, faut pas se faufiler, quoi. Il n'y a aucun problème. C'est tout ce que j'aime. Non. Donne-moi ce bonus. Ah! Putain. Oui, bah. Quoi, 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 quand, où, comment? Oh putain. Mon bonus là-haut! Ça passait, monsieur! Qu'est-ce que c'est que ça? Non, me dites pas, ne me le dites pas. Voilà, c'est nettoyé, c'est tout propre. On se croirait dans l'intestin 2, et là, je vous laisse insérer le nom d'une célébrité. Not from behind. Not from behind. Not from anywhere, de toute façon. Hein. Je vais être clair. Je suis pas très, très aimable quand on cherche à être méchant. Je le sentais pas, là. Hein. Ouh, just in time, celle-là. Moi, je présume que ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Mais c'est tout petit! Mais je fais quoi, moi, maintenant? Putain. Je me suis fait avoir, mais grave. Du calme les gars, du calme. Alors, vous avez trouvé votre nom de célébrité? Non, 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 non. Alors, je vais vous donner un indice. Non, je vous donnerai pas d'indice parce qu'après, on va croire que le truc est triché. Marquez-moi les noms de célébrités que vous avez trouvés dans les commentaires. Nous étions donc dans l'intestin 2. Alors effectivement, les gens qui cherchent de l'originalité dans les patterns, il y a moyen qu'ils soient servis là, parce que je sais pas où ils sont allés les chercher ceux-là, mais on les a pas vus ailleurs. Hein. Y a pas arnaque. Non, je l'aime pas celui-là, et il ne m'aime pas en plus. Donc on est deux à pas s'aimer. Pourquoi pourquoi on peut pas être amis? Tout simplement. Non mais toi, je vais systématiquement te bomber la gueule quand tu utiliseras ton pattern que j'aime pas et que je n'ai pas encore appris et que je vais mettre 2 siècles à apprendre. Crève, 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 crève. Mais il le renvoie illico après son pattern, c'est ça le pire. Je veux pas le savoir, je vais jouer comme un bourrin. Ah mais il grossit pour la peine. Non, non, que c'est beau. Mais que c'est dangereux! Ça doit couper tous ces trucs, monsieur! Monsieur! Non? En vous rasant quand même, ça doit être bizarre! Non, même pas une petite coupe pure le matin! Bah, c'est bien, hein, c'est de la chance! Non! Cela, on a dit non! Je voudrais pas faire le mec qui est pas d'accord, mais. Non, c'est non! Oh là là, le calvaire! Zouache! Et re... Non. Tu es mort, tu es mort. Tu n'as plus aucune volonté de vivre. J'aurais pas bougé, je serais passé. C'est incroyable ça. You can't do this. No, you can't. Je passerai encore une bombe s'il faut.
Je monte encore le son du jeu parce qu'il est vraiment trop étrange. Nous allons aller là où ça peut être simple. Non, voilà, bah où il n'y a pas d'astéroïdes. Tu me diras, des vaisseaux forteresses, c'est peut-être pas plus malin. Donc forcément, Darius Gaiden, il est totalement validé. Et je pense qu'il va aller dans les tops, hein, puisque effectivement, sa réputation, c'est pas une surcote. Hein. Le truc est jouable, le truc est super punitif, méchant, mais il vous laisse l'opportunité de pouvoir toujours vous en sortir d'une manière ou d'une autre. Même en parlant beaucoup pendant que vous streamez, par exemple. Oui, bah je n'ai pas d'exemple sous la main, mais on pourrait en parler plus tard. Aïe! Mais je vais pas tarder à lui enlever son élection en top pour le rétrograder, je pense, s'il me laisse pas gagner. Comment ça, c'est pas fair play? Si, 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 si. Bah, c'est un peu comme les tirs par derrière, hein. C'est pas fair play, mais voilà, le jeu, ça l'arrange. J'ai vu un calamar ou j'ai vu un calamar? C'est un vaisseau calamar. Adieu, vaisseau mère. Non, 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 tu ne fais pas ça. Non! Ça va tirer, chérie. Il va m'arriver quelque chose, il va m'arriver quelque chose, il va m'arriver quelque chose va m'arriver. Je ne veux pas en entendre parler. Tiens! Oh ce mauve de toute beauté. Je pense que je vais t'en retirer un sur la tronche. Oui, mais c'est pas fini, regarde. Le calamar ne se laisse pas abattre. Il continue de tirer. Et on a passé déjà 9 crédits, les amis. Laisse-moi récupérer mon matos. Putain, que c'est vif! C'est punitif là, hein. C'est très punitif. Oh purée. Vous osez pas rester en face du truc. Et il fait repousser cette tourelle, cet enfoiré! Mais vas-y! Je crois qu'on va utiliser la technique de la bombe là parce que j'avancerai jamais. Alors, je sais pas si la musique passe correctement sur cette émulation. Parce qu'elle est vraiment très étrange du coup. Hop, 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 te referme pas, toi. Oui, bah, c'est les parties de jeu où quand tu connais pas le trick, t'es malheureux, quoi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'avais tête à refaire? Dans ma faute encore là. Non, non, non. Non, vraiment. Sans façon. Quelle fougue, quelle vivacité. C'est peut-être un peu trop pour moi. Je vais faire un AVC en direct. Non, mais sérieux. Ah! Tu ne fais pas ça. On ne pourra jamais être amis dans ces conditions, comprends bien. Et non. En plus, tu as ton gros bout qui avance. Et ton gros bout me fait peur, je te rappelle. Bon, il a été détruit là, pendant la guerre, c'est bien. Il y a des macros sur les côtés. Oh putain, mais les macros se détachent et ils te font la fête. C'est vicieux, c'est petit. C'est petit kiki ça. Il faut que je passe dessous, que je me faufile encore. Non, 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 non. C'est tout ce que j'aime pas. C'est tout ce que j'aime pas. C'est tout ce que j'aime. Papa. Qu'est-ce qu'il me fait là? Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il va m'envoyer? Qu'est-ce qu'il me prépare? Il y a une feinte. Eh oui, ça tire, forcément. Fallait bien qu'un jour ou l'autre ça démarre. Ouh putain, je vais rester là-haut. Sur la selle. On va appeler ça la selle. Hein. Je sais pas pourquoi, mais. Hop, si, ça ressemble vaguement à une selle. Donc j'ai pas pété tout ça, je suis puni. Ok. Non mais c'est pas grave. J'arrive pas à tirer dessus, c'est tout. C'est le GG problème que j'ai, mais bon. Je vais bien trouver une position où je serai pas trop mal. Et dessus, je sais pas ce que c'est qui tourne, mais quand ça va m'arriver sur la tronche. On a passé combien de crédits en 30 secondes là? Quelle punition ce niveau. J'avais pas fait gaffe que les trucs partaient à la perpendiculaire. Oh putain, non.
Bon, Gradius Gaiden, tu es rétrogradé. Tu es trop dur. Non! Ce pattern est génial parce qu'il est super simple, mais il fonctionne à fond. Vous vous faites avoir dans votre panique humaine. Piou 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 piou. Ça, c'était la bombe millimétrée. Celle qui n'existe que dans les dessins animés. Bon, mais je fais ça là. Je fais ça, je le sentais pas. Tu ne veux pas mourir. Je le sens que tu veux pas mourir. Ah! La contre. Je contre. Et tu meurs. Alors, très honnêtement, je vous invite à chercher après ce stream, bah, un autre où il y aura un super play dessus. Parce que ça doit être spectaculaire. Du coup, on se sera fait le run en complet, je pense, et ça va être sympa. Et vu qu'il y a des runs alternatifs, je vous aurais pas totalement spoilé le jeu, ce qui est encore plus sympa. Et j'espère qu'une chose, c'est que vous aurez envie de mettre des coups de stick dedans, parce que vous avez vu quand même. Le jeu a plus de 20 ans, et il est maniable comme au premier jour. Pas de défaut, le truc est impeccable quoi. Donc je comprends mieux maintenant la légende qui l'a précédé et qui est totalement justifiée. Ce Gradius Gaiden est vraiment top. Pas simple, mais top. Les crevettes par derrière, ben bravo, ça c'est sympa. Et j'ai plus de bonus, je suis tout malheureux. Oh, les effets fog et tout, la totale, c'est magnifique. Douloureux et magnifique à la fois. Non, toi je te sentais pas, tu vois. Je te laisse même pas le temps de tirer, tu ne m'inspireras rien à part du rejet massif. Oh, les décors, n'oublie pas les décors, il faut slalomer. Oh, j'oublie tout le temps. C'est pour ça que je suis une buse, moi, aux shmups horizontaux. Ah, il y a des moments où je me laisse aller, quoi, et c'est le moment fatal. Où il fallait pas te laisser aller. Ce fut une connerie. N'oublie pas que les décors sont tes ennemis aussi. Je n'oublie pas que les décors sont mes ennemis aussi. Pourquoi te sens-tu obligé de répéter ce que je dis? Pourquoi me sens-je obligé de répéter ce que je dis? Avec, parce que j'ai un boss. J'ai un rush mode des boss là. Il va tous me les envoyer, je sens. Il ne veut pas que je voie la fin. Et là, ça va être une sardine. Ou alors mieux, un gobie. Homer le homard? C'est qui? Reste pas en face de sa gueule, reste pas en face de sa gueule, ça pue. Oh putain! Toi, tu vas être long, pénible, douloureux. Bref, toutes les qualités du boss qu'on ne veut pas croiser. Bah. Il me met des coups de patte? Squish! Mais non, tu ne fais pas ça, Jean-François. Je vais t'appeler Jean-François. Allez, je t'intercepte avant que tu fasses ta grosse pattern qui pue là. Ah, oh, purée, il l'a fini quand même. Je vous ai dit que je me prendrais une dérouillée dans ce jeu. Je vous avais prévenu. Mais bon. Je saurai enfin ce qu'est ce damné shoot. Est-ce qu'il avait dans le ventre? Oh, purée, ça va revenir. Pas la papate. Pas la papate. Sois gentil. Ne fais pas ton billing. Oui, bah là, je te cancel parce que c'est affreux ce que tu es en train de faire. Il y a des enfants qui regardent peut-être ce stream. Je ne veux pas qu'ils voient ça. Je veux qu'ils me voient mourir dignement. On va dire que c'était pas le dernier niveau parce que ce coriace ne l'a pas été assez. Et oui. Ça, c'est joli, ça. Et oui, vous attendiez-vous à voir monsieur qui a allé jusqu'au dernier niveau de Gradius Gaiden? Non, lui non plus d'ailleurs. Oh, l'explication de texte, c'était violent quand même. Non,
Non, j'ai pas envie de me faufiler particulièrement entre des étages et des trucs qui vont être super sympas avec moi et qui vont me vouloir du bien, mais tellement de bien que je ne saurais pas quoi en faire. Perversion, perversion ultime. Je passe. Hein. On va faire ça 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, comme la valse. 1, 2, 3, hop! Ne cherche pas à comprendre. C'est ton corps qui change. C'est l'écran qui se remplit. C'est les ennemis qui deviennent de plus en plus vénères. Je passe. Je m'en fous. Je me suis quiché en voulant récupérer mes bonus. Non! Mais non! J'ai même pas le temps d'admirer le décor avec ces petits robots au fond qui sont magnifiques. Et lui qui va être. Pas du tout magnifique. Je passe où? Tu peux pas passer sans bomber ici, c'est improbable quoi, faut pas me dire ça. C'était pour être sûr. Ça va, je m'attendais à pire, pire, pire. Mais l'aventure n'est pas finie. Et merde! Je le sens par là, je le sens vachement. Non? Ok. Je ne le fais pas. Non, 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 ne me suis pas, ne me suis pas, ne viens pas avec moi. Je vais en enfer. Ce n'est pas pour toi. Qu'est-ce que c'est cette chose au fond? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Tu prends pas un peu tout l'écran, toi? Non, tranquille. Bon, je peux me. Les pattes, elles comptent pas. Elles vont compter maintenant. Je sais pas. À quelle sauce je vais te manger? J'abandonne tout espoir. C'est plus simple. On va le laisser faire son truc là-bas dans son coin. Il a pas l'air très. Je pense que je prends la technique la moins risquée, mais au moins elle fonctionne à peu près. Hein. Oh, à bout portant, ça fait mal ça. Aïe 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 aïe. J'étais bon candidat. Mais regardez-moi ça, il fait le Gangnam Style. Oup, oup, oup. Non mais ça c'est perv, hein. Tu sais pas où te mettre. Là-bas. Je suis dessous. Je suis dessus, mais les pattes ne comptent pas, sauf les deux grosses de devant. Donc il faut que j'en profite à mort, avant qu'il ait une idée. Et je sens qu'il commence à avoir une idée. Je me suis craché sur le bord. Infirmière! Oui, je sais, ça faisait longtemps. Bouge ton cul. Voilà. Double, double. Ah, ce vaccin anti-JDG est tout à fait bienvenu. Parce que là, il y avait vraiment besoin. Dites-moi pas qu'il va mourir tout de suite. Non, pas du tout. Mourir, jamais, et on n'a pas envie. Puis il vient de t'inventer un nouveau pattern, faut que t'en profites. Non, 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 c'est pas gérable ça. C'est carrément pas gérable. Même avec beaucoup de bonnes volontés. Je bombe, je bombe. Je ne vois pas comment je passe dans cette purée de schnitzel, de splatzen, de strudel. Tiens, celui-là, tu le voulais, tu l'as vu. Allez. Bon, là, il commence à avoir une sale gueule, mais il va m'envoyer une vague. Je ne sais pas comment je vais la gérer. Voilà. Genre, je vais attirer les trucs là-bas. En espérant très fort, ça marche à peu près. Voilà. On va faire pareil ici. Je suis là. Je suis là. Et non, je ne suis plus là. Regarde, c'est bizarre. Pas à bout portant. Pas à bout portant. Note. Note à the bout portant. Sbouiche. Je me suis fait pincer.
La vitesse de ces trucs, c'est incroyable. Crève, mais crève, mais crève, 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 crève. Crève, super crève. Maintenant! Il est infinissable, ce truc. Oh oui, je confirme. Allez voir un super play après ce stream. Parce que le gars qui passe celui-là sans se faire avoir, je pense qu'il a dû le rôder un petit moment pour bien piger tous les mécanismes et que ça se passe à peu près correctos. Mauvais choix. Mauvais choix, bonne bombe. Oui, mais il y a une zone cachée. Et ben voilà pour ce Darius Gaiden qui mérite son titre de top jeu, de top shmup. Parce que effectivement, le jeu est super chouette. Ça sorti en 93-94, les gens devaient baver devant, quoi, parce que c'est vraiment magnifique. Et c'est aussi magnifique que souple. Donc du coup, il y a une grande jouabilité. Vous vous prendrez des dérouillés comme moi, je pense qu'on vous laissera au début. Mais du coup, à force de le rôder, il y a peut-être des petites mécaniques que vous allez maîtriser, en particulier celles des boss qui sont quand même pas mal originales pour chacun. Et ça sera vraiment votre fierté à porter si vous maîtrisez ce jeu en un CC. Oui, toujours après le shmup. Vous avez reconnu le bruit. Non, mais maintenant, faut se méfier avec les streams. Il y a des choses où on n'a plus le droit de dire ce qu'on fait, quoi. Là, je suis en train de tirer un élastique, mais je peux pas situer l'élastique de quoi. Pareil, c'est... Enfin bon. Je vous laisse apprécier ce jeu générique, bucolique, après toute cette énergie et cette haine déchaînée sur écran. Darius Gaiden, donc un petit chef-d'œuvre totalement validé qui va vite rejoindre vos collections, et surtout que le jeu manque pas d'être remasterisé. Donc vous le retrouverez très facilement sur un des supports que vous avez pour vos machines. Rushez sur le jeu s'il est proposé à un prix sympatoche. Je pense qu'il est super intéressant. En plus, il a une bonne durée de vie vu que les niveaux s'interconnectent. Et du coup, ben, on n'est pas obligé de se taper tout le temps le même run. Voilà, je vous laisse avec les deux playlists habituelles. Et je vais retourner jouer dans ce jeu pour lui mettre une branlée. Je vous dis à bientôt. Ciao, à demain 19h en tout cas. Bye.